Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois d'avril. C'est le quatrième mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies. Seigneur, nous déclarons, en ce mois d'avril, que nous allons réaliser ta présence à nos côtés comme jamais nous ne l'avions fait auparavant. Pendant que nous marchons ensemble sur ce chemin qui nous emporte toujours plus près de toi, nous déclarons que nous allons voir des miracles s'accomplir devant nos yeux. Nous déclarons que nous ne manquerons jamais de rien, car tu es celui qui pourvoit aux besoins de tous tes enfants. Seigneur, nous voulons voir ta gloire resplendir sur nos vies en ce mois d'avril. Viens changer et transformer nos vies afin que le monde entier sache que nous servons un Dieu sans aucune limite. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Avril, c'est A. A comme accompagne-moi. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce afin que tu attestes dans mon cœur par ton Saint-Esprit que tu demeures avec moi et m'accompagnes de ta douce et divine présence en tout temps et en toutes circonstances. Je sais que c'est une vérité que nous déclare la parole de Dieu, mais j'ai besoin qu'elle descende dans les profondeurs de mon cœur afin que la certitude de cette vérité soit profondément ancrée à tout jamais en moi et qu'elle balaye toute semence de doute, toute semence d'incrédulité qui viendrait essayer de s'enraciner dans mon cœur pour m'empêcher d'atteindre la destinée que tu as établie sur ma vie. Seigneur, accompagne-moi, marche avec moi, sois à mes côtés tous les jours de ma vie. Ainsi que tu l'as déclaré en disant, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains pas et ne t'effraie pas. Seigneur, accompagne-moi dans toutes mes entreprises. Accompagne-moi en tout lieu que mes pieds fouleront sur cette terre. Accompagne-moi quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Accompagne-moi quand je marche au milieu du désert brûlant qui envahit ma vie. Accompagne-moi sur la route de toutes mes incertitudes et mes doutes, comme tu l'as fait avec tes disciples sur le chemin d'Emmaüs. Accompagne-moi et conseille-moi dans toutes mes décisions afin que jamais je ne me perde sur une route détournée loin de tes plans pour ma vie. Accompagne-moi dans les bons comme dans les mauvais jours. Accompagne-moi au milieu de toutes mes tempêtes et fais taire les vents de mes épreuves afin qu'ils soient soumis à ta volonté parfaite pour ma vie. Seigneur mon Dieu, je me confie en toi. J'ai confiance en toi. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Et tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es un Dieu qui est proche, très proche, et qui vit avec nous et en nous. Manifeste donc ta présence par la puissance de ton Saint-Esprit afin qu'il atteste cette vérité dans mon cœur et que plus jamais elle ne s'en aille. Et tu nous fais aussi cette merveilleuse promesse. Je serai avec vous
je vous accompagnerai tous les jours de votre vie, jusqu'à la fin du monde. Quel réconfort pour mon âme, Seigneur, de savoir que le roi des rois et le Seigneur des seigneurs demeure avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Qu'il m'accompagne nuit et jour, comme un père veille sur la protection et le bien-être de ses enfants. Seigneur mon Dieu, mon plus grand désir est que tu m'accompagnes tout au long de ma vie, mais aussi que tu manifestes ta présence à mes côtés, comme tu l'as fait avec tous tes serviteurs au jour d'autrefois. Ta parole nous dit que le Seigneur les accompagnait par des signes, des miracles et des prodiges. Seigneur, le monde doit savoir que je sers un Dieu merveilleux, un Dieu compatissant et aimant, un Dieu lent à la colère et riche en bonté, un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Ils doivent savoir que Dieu est un Dieu accessible à tous, qu'il ne rejette personne, mais qu'au contraire, les attend jour après jour, les bras grands ouverts. Seigneur mon Dieu, le monde doit savoir maintenant que tu m'accompagnes. Travaillons ensemble dans l'œuvre que tu m'as confiée et dont tu m'as fait participante, afin que ta gloire soit révélée. Accompagne-moi en confirmant ta parole dans le cœur de tes enfants. Ta parole nous dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Que tous voient, Seigneur, le roi de gloire faire son entrée dans leur vie. Que tous voient l'invisible devenir visible dans leur vie. Ouvre-leur leurs yeux afin qu'ils voient aussi ta bonté sur leur vie. Ouvre leurs oreilles afin qu'ils entendent ta parole retentir dans leur cœur et les appeler comme un père appelle son enfant à revenir à la maison. Ouvre leur esprit afin qu'ils comprennent qui tu es vraiment, un Dieu rempli d'amour et de compassion pour ses enfants. Que tous voient, Seigneur, que tous voient que tu n'es pas un Dieu mort il y a 2000 ans sur une croix, mais bien un Dieu vivant qui a vaincu la mort par son sacrifice à la croix et qui maintenant intercède auprès du Père pour chacun de ses enfants. Seigneur mon Dieu, je crois en toi. J'ai cette confiance en toi que ce qui m'arrive dans la vie a un but bien précis. Accompagne-moi et fortifie-moi au milieu de toutes mes épreuves. Seigneur, accompagne-moi dans tous ces moments où je perds le contrôle sur mes événements et mes circonstances, sur tous ces moments où je n'ai plus assez de force pour continuer à avancer par mon manque de foi, mon manque de force, par mon manque de sagesse, mon manque d'autocontrôle ou encore mon manque de finances. Accompagne-moi et fortifie-moi. Sois mon guide, sois ma force. Sois la lumière qui éclaire chacun de mes pas sur mon chemin. Oui, Seigneur, accompagne-moi aussi lorsque je fais face à des échecs dans ma vie. Car bien souvent, je désire faire les choses par mes propres forces et me retrouve confrontée face à mes propres échecs. Je sais qu'au travers de ces échecs, tu me rappelles que tu es ma plus grande force et que c'est quand je suis faible que ma vraie force se révèle au travers ton intervention. Oui, c'est quand je suis faible que je suis fort. Seigneur, je sais que tu veux que j'apprenne à lâcher prise sur certains événements pour mieux te laisser les contrôler, pour mieux te laisser les diriger, afin que toute chose concoure pour mon bien. Moi, je suis limitée, mais toi, Seigneur Dieu éternel, tu es un Dieu illimité. Il y a des choses que toi seul peux accomplir dans ma vie. Seigneur, accompagne-moi au milieu de toutes mes épreuves afin que je puisse en sortir victorieuse et être bénie au milieu de toutes mes tempêtes. Change le mal en bien, l'échec en victoire, la malédiction en bénédiction, le malheur en bonheur et les moments de stress en moments de calme. Change ma tristesse en joie. Change ma vision des choses en tout point, Seigneur. Que mes yeux restent continuellement fixés sur toi et rien que sur toi.
Je sais qu'avec toi à mes côtés, je peux sortir victorieux de toutes mes épreuves, de toutes mes difficultés, de tous mes combats et de tous mes défis, car je peux tout par Christ qui me fortifie. Seigneur, je ne veux plus douter de ta présence à mes côtés. Je ne veux plus engager mes combats seul et par mes propres forces. Je veux combattre à tes côtés et remporter la victoire en toutes circonstances. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence, ta parole nous dit. Quelle que soit l'épreuve, avec toi je sais que je vais y arriver. Seigneur, accompagne-moi dans toutes mes faiblesses afin que je persévère jusqu'au bout pour hériter de toutes les promesses que tu m'as données, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Seigneur, accompagne-moi tous les jours de ma vie et soutiens-moi par ta douce voix. Aide-moi à me réjouir même dans les toutes petites choses de la vie, comme un simple sourire de mes enfants, un bon repas chaud préparé avec amour par mon conjoint, ou un fou rire entre amis, une simple promenade dans un parc sous la douce lumière du soleil. Toutes ces petites choses, tous ces petits détails qui font ma joie, qui font la joie de mon cœur. Tu as dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, car je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec vous. Il ne vous délaissera point, il ne vous abandonnera point. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Mon frère, ma sœur, il sera lui-même avec toi. Il t'accompagnera. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Donc, ne crains point et ne t'effraie point. Moïse dit à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même avec moi, si tu ne m'accompagnes pas, ne me fais point sortir d'ici. » Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand tu nous accompagneras, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur lui-même marche au milieu de nous, qu'il nous accompagne, car c'est un peuple court-aide. Pardonne nos iniquités et pardonne nos péchés et prends-nous pour ta possession. Seigneur, accompagne-moi tout le long de mon parcours ici-bas, afin que jamais, oh non, jamais, je ne m'éloigne de toi, au nom puissant de Jésus. Avril, c'est aussi V. V comme voyageur. Seigneur, nous le savons, nous ne sommes que des étrangers sur cette terre, des pèlerins, des voyageurs qui marchent pour un temps afin de rejoindre leur patrie céleste, celle que tu as déjà préparée d'avance là-haut pour chacun de tes élus. Notre passage ici-bas n'est que limité. Nous sommes devant toi comme des étrangers, comme des habitants, comme des voyageurs, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. Nous sommes des voyageurs qui cherchent à retourner à la maison, Seigneur. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un voyageur sur cette terre, un habitant comme tous mes pères. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils n'étaient que des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs sur terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Seigneur,
bien que nous sommes des voyageurs sur cette terre et que nous ne soyons que pour un temps, mon plus grand désir est d'accomplir la mission que tu as établie sur ma vie. Je veux me saisir de toutes les promesses que tu m'as données pendant mon voyage ici-bas. Je veux croire tout au long de mon parcours ici-bas et marcher à ton rythme. Je veux entrer pleinement dans tous les plans, dans tous tes projets, tes désirs pour ma vie. Je veux accorder mon cœur, mes paroles, mes pensées et mes actes avec ta parole pour ma vie. Je veux voir les choses invisibles à mes yeux devenir visibles et se matérialiser dans ma vie. Bien que je ne sois qu'un simple voyageur sur cette terre, je désire que mon parcours soit exceptionnel. Je veux laisser l'empreinte de ma vie autour de moi. Je désire que mes proches se souviennent de moi comme un homme, comme une femme de foi qui n'avait pas peur de faire confiance en son Dieu, même quand les choses n'étaient pas encore visibles devant mes yeux. Même quand mes cinq sens s'opposaient à ma vision, comme ce fut le cas pour Abraham. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Notre voyage ici-bas n'est pas un voyage sans difficulté. Au contraire, il est parsemé d'embûches, de vallées et de montagnes à franchir pour atteindre notre terre promise. C'est pourquoi nous devons acquérir une mentalité de vainqueur pendant que nous sommes en chemin. Car les voyageurs que nous sommes doivent atteindre leur destinée. Il est écrit à propos d'Abraham que, face à la promesse de Dieu, il ne douta point, mais fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu. Et c'est bien cela la vraie foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Abraham n'a pas nié son état. Il a reconnu la vieillesse de son corps, mais a tout de même eu confiance. Le combat contre nos cinq sens est dur, mes bien-aimés, car notre intelligence nous montre les obstacles et nous fait douter. Pourtant, il n'y a pas d'autre voie possible. La réalité peut obscurcir la vision de la promesse, la brouiller pour un temps. Mais la foi véritable vient rétablir notre vision et nous éclairer sur le chemin que nous devons emprunter pour entrer dans notre destinée. Mes bien-aimés, bien que ces pensées semblent légitimes lorsque tout semble aller à l'encontre de ce que nous avons vu, mais ne nous laissons pas détourner de notre route. Ayons cette même attitude que notre père Abraham. Restons honnêtes avec Dieu en toutes circonstances et n'essayons pas de lui cacher nos faiblesses et nos manquements. Restons sincères à son égard et c'est alors qu'il nous tiendra la main pour nous fortifier lorsque notre foi faiblira. C'est ce qu'il fit avec notre père Abraham. Lorsque sa foi faiblissait, Dieu le relevait en lui montrant les étoiles, les grains de sable sur le bord de la mer, et en lui disant « Regarde, regarde Abraham, ta descendance sera semblable à ceci. » On pouvait se dire qu'Abraham a eu la naïveté de le croire, mais il faut l'avouer, il a plutôt eu la force de le croire. Les voyageurs que nous sommes devront braver différents obstacles, comme celui du temps. Le temps est un autre élément qui vient nourrir les forteresses et les raisonnements dans nos esprits. Le temps qui dure et qui s'éternise. Le plus pénible, c'est qu'avec le temps, les choses ne s'arrangent pas, mais souvent, elles vont de mal en pire. Nous crions alors, « Seigneur, tu m'as promis !» Plus j'avance et plus je vois le contraire. Pourquoi devrais-je te croire ? À quoi bon continuer à me battre si je ne verrai pas la promesse que tu m'as faite sous mes yeux? Et si ce sont mes enfants et ceux qui viendront après moi qui en profiteront? Soyons prudents, mes bien-aimés, quand nous sommes dans cette attitude, car l'avancement des choses dépend de notre attitude intérieure. Souvenez-vous d'Abraham, espérant contre toute espérance. Oui, espérant contre toute espérance. Nous connaissons aussi tous le proverbe de l'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour toute chose,
un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour naître, un temps pour mourir. Mais les chrétiens doivent aussi réaliser et comprendre qu'il y a aussi un temps pour l'accomplissement de la promesse. Dans ces moments-là, prenons l'exemple et l'attitude d'Habacuc. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. S'il y a un temps pour l'accomplissement des promesses, il faut bien comprendre que nous ne pouvons rien y changer. Il serait inutile de courir, de se battre, de renverser des murs. Le temps de l'accomplissement de la prophétie ne dépend pas de nous, mes bien-aimés, mais de Dieu. Les voyageurs que nous sommes devront braver aussi l'obstacle du chemin à emprunter pour arriver à l'accomplissement de la promesse. L'autre obstacle auquel nous nous heurtons est celui du chemin par lequel Dieu nous fait passer pour accomplir sa promesse. Joseph en était le parfait exemple. Comment aurait-il pu un seul instant penser qu'il était sur le bon chemin? Ses frères l'ont vendu comme un esclave. Il a été victime de la sournoiserie de sa femme de Potiphar. Il a passé de nombreuses années en prison. Et pourtant, oui, pourtant, il s'est bien comporté. S'il n'avait pas été en prison, il n'aurait pas rencontré les chansons à qui il a donné l'interprétation de son rêve. De même, Pharaon ne se serait jamais adressé à Joseph s'il n'avait pas vu comment ce dernier avait éclairé les chansons. Autrement dit, Joseph était exactement à l'endroit voulu par Dieu pour accomplir sa promesse. Mais lui ne le savait pas. Il avait mille et une raisons de penser « Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais là ?» Les voyageurs que nous sommes devront braver beaucoup d'obstacles. Ils devront aussi braver l'obstacle de vouloir prendre le contrôle ou un mauvais raccourci pour accélérer les choses. Lorsque le chemin est épineux, douloureux et synonyme de brisement, nous avons deux tentations. Prendre un mauvais raccourci ou nous laisser totalement aller. Abraham a cédé à la première de ses tentations. Il a voulu se débrouiller tout seul, voyant que Dieu tardait à l'accomplissement de sa promesse, il a pris sa servante et lui a donné un fils, Ismaël. De cette manière, il a voulu entrer dans l'accomplissement de la promesse, d'une descendance, d'une manière agréable et sûre. Seulement, Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Il n'était pas le fils que Dieu désirait leur donner. Et ce raccourci n'a fait que mettre des embûches à Abraham et à sa véritable descendance. Aujourd'hui encore, nous en payons le prix de ses conséquences. Prenons garde, mes bien-aimés. Par notre attitude, les voyageurs que nous sommes peuvent rallonger le chemin de l'accomplissement pendant des années si nous tentons de dévier le chemin que Dieu lui-même a pris le temps de tracer sur nos pas pour nos vies et même pire encore, en sortir complètement. Les voyageurs que nous sommes devront braver l'obstacle de l'intégrité, la condition inévitable à l'exaucement de nos promesses. Les proverbes disent « L'intégrité dirige les pas de l'homme droit ». C'est un facteur crucial. Imaginez ce qui se serait produit si Joseph était tombé dans le piège tendu par la femme de Potiphar. Il ne serait jamais allé plus loin qu'en prison. Il n'aurait pas été calomnié non plus. Mais par contre, il serait sorti totalement du plan de Dieu. Si le manque d'intégrité nous fait sortir du chemin voulu par Dieu, il faut nous repentir. À cette condition seulement, nous pourrons rencontrer l'éventualité de l'accomplissement de la promesse. Confie-toi en l'Éternel, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mais bien-aimé, être intègre dans toutes ses voies n'est pas un dur sacrifice que nous devons accomplir envers Dieu. C'est simplement une attitude de cœur, une attitude de révérence, de respect et une preuve d'amour que nous donnons à celui qui n'a pas hésité un seul instant à donner sa vie tout entière pour nous donner un avenir auprès de lui pour l'éternité. Soyons intègres, soyons fidèles et Dieu fera de même à notre égard. Car il a dit « J'honorerai celui qui m'honore, mais je déshonorerai celui qui ne m'honore pas ».
Pour voir la promesse s'accomplir, il faut marcher dans le chemin que Dieu a prévu pour nous, même s'il n'est pas facile. Laissons à Dieu seul le soin d'accomplir sa promesse. Mais bien aimé, si nous voulons que notre voyage ici-bas soit rempli de joie, de bonheur, tant que nous marchons sur le chemin que Dieu a tracé pour nos vies, eh bien, laissons-le diriger nos pas. Laissons-nous guider par sa douce et divine voix. Restons à son écoute dans l'humilité et la simplicité de cœur. Disons au Seigneur, ma part c'est d'être intègre, de confesser, de croire, de m'approprier ta promesse, mais l'accomplissement t'appartient, Seigneur. Je te fais confiance. Quand nous demeurons dans cette attitude, nous pouvons être assurés que l'étoile du matin, qui est Jésus-Christ lui-même, commencera à se lever dans nos cœurs et nous conduira vers l'accomplissement de notre destinée. Petit voyageur, levez-vous. Levez-vous et parcourez la terre tout entière en proclamant que Jésus-Christ est le roi et le Seigneur et qu'il accomplit encore aujourd'hui d'incroyables miracles dans la vie de ses enfants. Avril, c'est aussi R. R comme ressource. Dieu est la source de ma joie. Oui, je le déclare, Dieu est la source de ma joie. Mais bien-aimés, savez-vous qu'en Dieu se trouvent toutes les ressources dont nous avons besoin? Un jour, quelqu'un a dit « Nous sommes appelés à être des chrétiens thermostats et non des chrétiens thermomètres. » C'est-à-dire que c'est nous qui devons décider de la température ambiante, comme un thermostat le fait, plutôt que de juste indiquer la température qui se déroule autour de nous comme un thermomètre le ferait. Car cela, tout le monde peut le faire. Oui, mon frère, ma sœur, en venant chaque jour à Jésus, vous puisez à la source de toutes les ressources. Il est l'amour dont vous avez tant besoin, car il est ce Dieu qui vous remplit de son immense amour. Il vous donnera la joie qui vous motivera. Il sera votre force dans vos moments de faiblesse. Il mettra en vous la compassion et la compréhension nécessaires pour aider les autres qui passeront sur votre chemin. Ainsi, quand vous n'avez plus de ressources, c'est le moment pour vous d'aller à la source suprême et d'y puiser ce qu'il vous faut, jusqu'à ce que vous soyez à nouveau rempli, débordant, zélé pour de bonnes œuvres, rempli de force et de courage, rempli d'assurance et d'audace pour accomplir votre destinée. Oui, c'est possible avec Dieu. C'est possible d'être joyeux et enthousiaste quand tout autour de vous est triste et déprimé. Mais bien aimé, il est temps d'accéder aux ressources surnaturelles de Dieu. Nous ne parlons pas ici de ressources matérielles uniquement. Dieu est la source de toutes nos ressources. Souvenez-vous un instant de l'histoire du peuple d'Israël pendant qu'il traversait le désert. Que fit Dieu à leur égard ? Il pourvut à toutes leurs ressources, tout ce dont ils avaient besoin pour arriver à leur destination finale, la terre promise. Et il en est de même pour toi, mon frère. Il en est de même pour toi, ma sœur. Pendant que tu traverses ton désert, le désert de ta solitude, le désert émotionnel, le désert financier, le désert professionnel, le désert de l'incompréhension dans ton couple, le désert avec tes enfants, le désert de ta maladie, le désert de ta dépression, le désert du rejet. Quel que soit ton désert, Dieu est avec toi et il sera ta ressource suprême pour que tu atteignes ta terre promise. Une nouvelle saison s'ouvre devant tes pas, mon frère, ma sœur. Il y a une solution à tes problèmes. Dieu est là. Oui, il est là et il ne t'a certainement pas abandonné. Il a déjà pourvu à toutes les ressources dont tu as besoin pour te sortir de cette situation. Ne perds pas espoir, ne t'inquiète pas, il reste au contrôle de toutes choses dans ta vie. Il est sur le point d'intervenir en ta faveur. Toi, garde la foi. Il est celui qui pourvoit à tous tes besoins. Qu'il soit matériel, spirituel ou émotionnel. Mon frère, ma sœur, n'entends-tu pas l'Esprit de Dieu te dire « N'aie pas peur, ne crains pas, car je suis celui qui prend soin de toi. Je n'ai jamais abandonné l'un de mes enfants.
aucun de ceux qui m'ont été confiés ne s'est perdu. Suis-je un homme pour mentir? Suis-je un homme pour vous tromper? Vous êtes la prunelle de mes yeux, et celui qui vous touche me touche et ne restera pas impuni. Je fais justice à mes enfants, et ma volonté s'accomplit toujours au temps que j'ai fixé. Pendant que vous marchez sur la route que je vous ai tracée, je prends soin de vous. Mon regard est sur vous. Oui, je parcours la terre de mon regard pour soutenir celui dont le cœur est tout entier à moi. Je ne vous oublierai pas. Je veillerai sur chacun de vos pas. Souvenez-vous de mes serviteurs et de mes servantes des temps passés. N'ont-ils pas vu mes interventions dans les moments de détresse? Les ai-je abandonnés dans leurs besoins? Non, certainement pas. Je suis encore celui qui fait de grands miracles et qui agit dans le naturel comme dans le surnaturel. La création tout entière obéit à mes ordres. Qu'est-ce qui est impossible pour moi? Ne suis-je pas celui qui a pourvu aux ressources de la veuve de Sarepta? La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le pays. Ainsi a parlé mon serviteur. Alors que les Israélites marchaient vers le pays promis, Dieu posa sa main puissante sur eux. Il prit soin de tout son peuple d'une façon exceptionnelle, par des prodiges, des miracles incroyables. Et aujourd'hui, il en est de même, mon frère, ma sœur, il en est de même pour toi. Ces ressources surnaturelles sont encore à notre disposition. Chaque matin, il déverse la manne dans nos vies. Dieu a une parole, une directive, chaque jour pour chacun d'entre nous, car il est le pain de vie. Chaque jour, il envoie des cailles pour le repas du soir. Dieu nous donne une nourriture solide pour nous fortifier avant même de nous endormir. Il a déjà une parole de réconfort à nous donner afin que nous puissions nous endormir dans la paix. Il est encore ce Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher. Dieu nous offre le Saint-Esprit, source d'eau inépuisable, afin que nous n'ayons plus jamais soif. Des sources intarissables, nous dit la parole, sortiront de notre sein. Il est cette colonne de nuée le jour et cette colonne de feu la nuit. Oui, sa présence ne s'éloignera jamais de nous. Dieu ne dort ni ne sommeille. Il nous garde nuit et jour. Il nous revêt de vêtements et de chaussures inépuisables. Dieu nous revêt du manteau de la justice et de la délivrance et il nous donne un zèle nouveau pour répandre sa parole. Avez-vous besoin de ressources financières? L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, c'est à toi que tout appartient. Au lieu de l'airain, je ferai venir l'or. Au lieu du fer, je ferai venir l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Je suis le Dieu d'Israël. Mes bien-aimés, je ne sais pas ce dont vous avez besoin. Mais je sais une chose, c'est que le Dieu que nous servons est la source de toutes nos ressources. Et aussi que vous ne manquerez jamais de rien si vous vous confiez en lui. Oui, Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse. Que ce soit de la nourriture spirituelle ou terrestre, ou que ce soit dans vos besoins matériels, il est notre appui et notre protecteur. Il est un réconfort de chaque instant, dans chaque situation. Il agit dans notre corps en renouvelant nos capacités intellectuelles et physiques. Il renouvelle nos forces de chaque jour et nous fortifie à combattre le bon combat de la foi, en nous faisant sortir victorieux dans toutes nos épreuves et toutes nos difficultés. Oui, Dieu crée en nous des opportunités surnaturelles quand nos ressources naturelles sont épuisées.
Rien d'étonnant, car il est le Dieu créateur par excellence. Il a la maîtrise totale sur sa création et sur les événements. Oui, en ce jour, Dieu fait tomber la pluie et descendre la manne sur ton désert, mon frère, sur ton désert, ma sœur. Je déclare que tu vas sortir du désert dans lequel tu te trouves en ce moment et que tu chanteras la gloire de l'Éternel à tous ceux qui t'entourent, car Dieu a pourvu à toutes tes ressources. Avril, c'est aussi I. I comme iota. Seigneur, rappelle-moi encore à quel point ta parole est indestructible, immuable dans l'espace et dans le temps. Rien ne peut l'effacer, rien ne peut la stopper, rien ne peut l'empêcher d'accomplir la mission pour laquelle tu l'as envoyée. Une fois relâchée, elle parcourt toute la terre, elle brave les temps et les circonstances, elle surmonte les montagnes et les vallées de nos vies pour finir sa course dans notre cœur. Et ainsi accomplir l'œuvre incroyable de transformation pour laquelle tu l'as envoyée. Ainsi en est-il de ma parole, nous as-tu dit. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli la mission pour laquelle je l'ai envoyée. Jamais elle ne reviendra vers toi sans avoir accompli sa mission, son but. Mais qu'est-ce qu'un iota ? Un iota, c'est la plus petite de toutes les lettres de l'alphabet grec. Dans notre langage moderne, un iota désigne une chose infime, insignifiante, un tout petit détail qui n'a que très peu d'importance. Je reconnais l'incroyable pouvoir qu'il existe dans ta parole et ne veux pas en mépriser un seul iota, Seigneur. La Bible tout entière renferme un immense trésor qui vient enrichir ma vie jour après jour. Je reconnais son autorité sur ma vie et son incroyable importance pour la transformation de ma vie selon ton plan divin. Moi aussi, je veux agir de la même manière que Samuel en ne laissant tomber aucune de tes paroles à terre. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Pas un seul iota, pas le moindre détail. Même si je n'en comprends pas toute l'ampleur pour ma vie, je veux garder mes yeux fixés sur ta parole, sachant qu'elle s'accomplira certainement dans ma vie. Ta parole me dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Seigneur, tu as déclaré, que pas une seule de tes paroles ne disparaîtra, pas un seul iota de tout ce que tu as prononcé ne se perdra dans le vide, dans le néant. Oui Seigneur, tout s'accomplira autant que tu as établi depuis la fondation du monde. Tu as déclaré, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, il ne disparaîtra de la loi pas un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi. Et cela jusqu'à la fin de toute chose, jusqu'à ce que tout se réalise à la perfection. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres de faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même sera grand dans le royaume des cieux. Oui, il est plus probable que le temps et les siècles s'usent et déforment la terre sur laquelle nous marchons et vivons que de voir un seul iota de la parole de Dieu qui ne s'accomplisse pas. Seigneur, tu nous enseignes ici une grande vérité en nous disant que dans le royaume de Dieu, la loi ne doit pas être abolie, mais accomplie jusqu'au dernier iota, jusque dans les moindres détails. Tu nous enseignes qu'il ne faut rien mépriser de tout ce qu'il est écrit dans ta parole. Chaque parole a une importance bien particulière.
Chaque histoire racontée a une grande signification, aussi bien dans les temps anciens que pour notre génération. Elles ont été écrites pour notre enseignement, car tu nous dis que tout a été écrit pour nous servir d'exemple, mais aussi parce que chaque histoire dégage une réalité spirituelle où nous pouvons encore, de nos jours, nous identifier et en tirer les mêmes bénéfices que tes serviteurs d'autrefois. Tu nous montres qu'au travers leur vie, tes serviteurs ont agi selon la parole que tu leur as prononcée et ont vu ta main puissante agir en retour. Et qu'il en sera de même pour tous ceux qui s'appuieront sur ta parole dans les moindres détails. Mais bien-aimés, chaque parole que Dieu nous a laissée au travers la Bible est une clé pour nos vies ici-bas. Nous pouvons être assurés de pouvoir bénéficier de la même fidélité de la part de Dieu qu'il a prouvée envers ses serviteurs d'autrefois. Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais bien-aimés, la parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu est inconditionnelle. La parole de Dieu est indestructible. La parole de Dieu est souveraine. La parole de Dieu est puissante. Oui, mes bien-aimés, elle est puissante. Non, pas un seul iota ne sera oublié devant le trône de la grâce. Tout s'accomplira à la perfection en temps et en heure. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre, un seul iota de la loi vienne à tomber. Mes bien-aimés, quand le découragement gagne vos cœurs et vos pensées, remémorez-vous ceci, que tout ce que Dieu a déclaré sur vos vies s'accomplira en temps et en heure, soyez-en certains. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Mon frère, ma sœur, Dieu est sur le point de rebâtir ta vie dans les moindres détails, et pas un seul iota de tout ce qu'il a prononcé sur toi restera sans effet au nom puissant de Jésus. Avril, c'est aussi elle. Elle comme limité. Seigneur, je le reconnais, tu es un Dieu qui n'a aucune limite. Il n'y a rien qui te soit impossible, tu n'es jamais limité. Je sais que tu peux résoudre chaque problème parce que tu n'es tenu par aucune limite humaine. Tu n'es pas limité par le temps. Tu as le pouvoir de faire en un instant ce qui prendrait des années pour être accompli. Le psalmiste écrit, il envoie sa promesse sur la terre, sa parole court avec rapidité. Quelle est la limite qui te définit, Seigneur? Qui pourrait se mesurer à toi? Qui est comparable à toi? Qui pourrait faire les choses incroyables que tu fais? Oh Seigneur, personne, personne ne le pourrait. Tu détiens tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre. Nos vies sont entre tes mains. Je ne veux pas te limiter dans ma vie, Seigneur. Agis comme il te plaira. Je reconnais que tu détiens même le pouvoir d'accélérer ma guérison, de faire tomber une pluie abondante afin que je puisse obtenir une récolte incroyable ou de faire naître une nation en un instant. Tu n'es jamais limité par le manque de ressources, car l'or et l'argent t'appartiennent. Mais bien-aimés, quoique Satan vous ait pris, Dieu a le pouvoir de vous le restituer, et même bien plus. Il n'est pas limité par l'opposition qui se lève sur ta vie. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ils te combattront et te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Au contraire, il a toujours un plan pour contrer et stopper l'opposition dans ta vie, pour stopper la puissance que Satan a envoyée pour détruire ta vie. Dieu augmente ta puissance. La parole nous dit « Celui qui est en vous est bien plus grand que celui qui est dans le monde ». Mais bien-aimés, il y a une vérité ici qu'il faut que vous fassiez descendre dans les profondeurs de votre cœur. Celui qui habite en vous est bien plus grand
que celui qui est dans le monde et qui vous combat. Il est bien plus grand. Résistez-lui en vous servant de la parole de Dieu. Oui, mes bien-aimés, soumettez-vous à tout ce que Dieu vous dit et résistez à l'ennemi de vos âmes avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Dieu n'est pas limité, mes bien-aimés. Dieu n'est pas limité par vos doutes, par vos manquements, votre intelligence, car en un instant, il peut vous prouver qu'il est le Dieu de l'impossible qui change le mal en bien, qui transporte vos montagnes et les jette dans la mer, loin de vous, qui calme les tempêtes d'une manière incompréhensible, qui marche sur les eaux de vos impossibilités, qui ouvre une porte que personne ne peut refermer, qui ressuscite un homme mort depuis 4 jours, qui protège ses enfants d'un feu dévorant, qui nous prouve que son amour n'a aucune limite, car il est celui qui rachète l'humanité tout entière par un sacrifice éternel. Oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il quelque chose qui soit extraordinaire pour moi? Non, mes bien-aimés, aucun de vos problèmes ne lui est donc insoluble. Il n'est nullement limité. Alors levez-vous et déclarez « Rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Là où je suis limité, toi, tu ne l'es pas. Je crois que tu es sur le point d'agir en ma faveur et de me délivrer de toutes mes épreuves par le nom puissant de Jésus-Christ. C'est donc dans le calme et la confiance que je vais me tenir, que je vais attendre ton intervention dans ma situation, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour chaque jour de ma vie. Accompagne-moi encore dans toutes mes entreprises afin que ta gloire soit révélée sur ma vie. Je me rends compte que je ne suis que de passage ici-bas. Je ne suis qu'un simple voyageur sur cette terre et que mes jours sont comptés. Sois la source de toutes mes ressources. Pourvois à tous mes besoins, qu'ils soient matériels, spirituels ou émotionnels. Accorde-moi le privilège de ne jamais mépriser aucune de tes paroles. Pas un seul iota, pas un seul détail, que ta parole soit une encre pour mon âme. Je reconnais que tu es un Dieu qui n'est jamais limité, jamais. Tu demeures au contrôle de chaque chose dans ma vie. Rien n'échappe à ton contrôle, rien n'est hors de ta portée. Tu es un Dieu sans aucune limite et tu feras toujours concourir toutes choses pour mon bien. Seigneur, nous comptons sur toi encore tout le long de ce nouveau mois d'avril. Sois notre force, sois notre libérateur, sois notre consolateur en tout temps. À toi soit la gloire, la louange et la puissance au siècle des siècles. Mes bien-aimés, soyez bénis abondamment, infiniment et bien au-delà de toutes vos espérances en ce nouveau mois. Amen.